Allez, bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois sur Web Pétanque pour suivre les Étoiles du Morvan, événement organisé par Zvonko Rannik. Nous sommes à Autun sous un superbe soleil et pour commenter cette partie, j'ai l'immense honneur d'être accompagné d'une légende de la pétanque, monsieur Christian Fasino. Bonjour Christian, merci beaucoup. Oui, bonjour, merci à vous. Et donc la partie, je te laisse la présenter. Ben donc, nous avons l'équipe Jérémy Darode avec Stéphane et qui joue contre son ami donc Jesse et puis Lolo. Voilà, Jesse Feltin. Jesse Feltin, bien sûr. Jesse Feltin et Lolo du bar La Devinière face à du coup Stéphane Hénon accompagné de Jérémy Darode. Allez, ça promet d'être une belle partie. Oui, je pense que ce sera une belle partie, de bons joueurs. Donc, terrain pas facile, donc ça devrait être une belle partie. Ouais, et là, Lolo qui est à la pointe, il a magnifiquement bien pointé. Un joli point qui envoie directement Jérémy Darode au tir. Voilà, ils sont 3 boules à 3, donc un peu l'égalisation de la main pour le moment. Voilà, deux frappes de Jérémy. Jesse à 3 boules, donc petits avantages, mais au point pas évident. Ouais, toi qui as déjà joué sur ces terrains, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à leurs difficultés ? Bah, disons que le terrain est un peu traite, hein, on ne sait pas trop des fois comment on tombe. Mais bon, moi j'adore ça parce que c'est des anciens terrains de l'époque 80-90, donc c'est super. Maintenant c'est vrai qu'on joue avec des terrains beaucoup plus faciles. Mais bon, bien, bien intéressant comme terrain. Alors, belle frappe de Jesse. Jesse Feltin là qui a fait un magnifique recul. Ouais. Donc là, il a fait trop recul, mais bon, deux boules à deux. Ouais, bien pointé, bien envoyé. Je pense qu'on va pointer du côté Jérémy. Stéphane peut peut-être le gagner. Ouais, Stéphane est non. Oh, bravo, ah, bien. Ah, belle frappe de Jesse encore. Ouais, un petit carreau. Ouais. Alors Stéphane Hénon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur dans Plus belle la vie. Oui. Il joue le rôle de l'inspecteur Bauer, il me semble. Exactement. Voilà, c'est bien de le rappeler. Il s'est joué quand même. Ah oui, il est pas mauvais. Hein. Depuis le début de la compétition, il était déjà là l'année dernière. Et il nous montre qu'il est aussi présent à la pétanque comme à la télé. Superbe plombée, on ne sait pas trop qui c'est qu'à le point. Il a gagné. Alors si elle a gagné, elle est magnifique cette plombée. Si elle a gagné, ce serait le top pour Jérémy. Non, dommage. Dommage, il manquait pas grand chose sûrement. Donc un point pour Jesse. Allez, 1-0 pour l'équipe de Jesse Feltin qui démarre bien hein, sur, ouais, une sur belle cette main. Main. Chacun. Ouais. Tous les acteurs pour le moment ont bien joué. Donc Lolo à la pointe de l'équipe Jesse. Ouh là là. Pas retenu, donc très loin derrière.
Allez Stéphane. Bien joué, très très belle boule de Stéphane. Ah, c'est bien tiré de la part de Jessie. Ah. Stéphane un peu à gauche. Bon. Belle boule de Lolo, hein, même qu'elle soit derrière, elle est très belle. Ouais, elle est bien jouée. Alors, on va essayer de vous montrer cette boule. Pour moi, il faudrait tirer parce qu'il y a le bouchon devant. Voilà, la boule pointée par, par Laurent. Il a sauté. Hein. Ouais, il a bien sauté. Même, donc, je ne vais pas dire que c'est bien tiré, étant donné que le bouchon est devant, il avait tout pour lui en tirant devant. Mais bon. Après une approche de Stéphane, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Une très belle boule. Ouais. Il peut retirer, je pense qu'il a retiré. Donc, ça change. Quoi, ça entendu, oui. C'est deux. Pas ouais, c'est frappé. Pas loin du bouchon, mais bon, frappé, c'est bien. Le retard de boule, mais tu tombes pas sur le bouchon, tu tombes derrière. Au niveau de la caméra 1 là, qui a un petit peu bugué, on a bien pris votre commentaire et voilà, tout est revenu dans l'ordre. Allez, Jessie Feltin donc, qui est au tir, elle fait un petit palais. Belle avantage, on est bien. Jérémy Darod donc qui est condamné à pointer. Ah, oui, condamné là. Ouais. Oh, il la lève très très haut aussi. Hein. Ouais. Ah, c'est bien envoyé, il lève bien. Donc je suis tiré au point donc. Voilà. En frappant, il marque. Ah, pas tout à fait droit. Dommage. Dommage. Alors, à qui il reste des boules? Eh ben, à Lolo. Hein. Il en reste une à Lolo, c'est tout. Ouais. Donc, à voir. Il peut tirer, il peut pointer en fonction de la personne, quoi. Lolo va peut-être pointer. Il tire pour un point ou il pointe. Faut le gagner, pas facile à gagner quand même. Ouais, puis ça fait peut-être. Il va tirer, je pense. Eh ben non, il m'a fait tromper, mais vous voyez qu'il est pas facile à gagner. Vous voyez. Ouais, il s'est bien dévié. Donc, sur le côté, ouais. Eh ben un partout. Allez, un partout dans cette partie après 9 minutes de jeu.
Alors, on a monsieur Guillaume Mérénis qui était finaliste l'an dernier en tant que challenger qui vous passe le bonjour. Oui, pareillement, alors merci. Voilà, il était finaliste l'an dernier ici aux Étoiles du Morvan. Il jouait avec Jean-Michel Xisto. Xisto, ah, ouais. D'accord. Ah, bien. Stéphane, belle approche, je pense. Elle est pas mal. Ouais, Stéphane Hénon, il est bien dans la partie. Hein, depuis le début de la compétition, même, il est très très bien au point. Lolo a dû le perdre de justesse, mais bon, c'est des belles boules. Donc, voilà. Ouf, quel recul! Jesse est en forme là, wow. Des tirs sans problème, naturel. Ouais, on a vraiment un beau duel entre ces deux équipes là, ça pointe, ça tire. Ah oui. On est conquis. Oh, voilà. Et Stéphane rentre encore dans le bouchon, c'est bien. Ouais, Stéphane Hénon, vraiment très très bon au point aujourd'hui, il est exceptionnel. C'est pas qu'un acteur, c'est un joueur aussi de cool. Oh. Allez, frappé par Jesse Feltin. Une petite mesure qui se prépare. On sait pas trop qui c'est qui a le point, mais bon. Ouais, petite hésitation des deux côtés. Alors, qui c'est qui va prendre le maître? Ouais, Jérémy qui cherche un peu du regard là. Allez, c'est Stéphane Hénon qui a pris les responsabilités de demander un maître. Ah, et c'est un acteur, hein, donc. Ah, évidemment, 1-1 au score. Et déjà combien? Plus de 10 minutes déjà? 12 minutes précisément. Ah, ouais. Voilà, donc. Ça va jouer. Alors, le point semble être pour l'équipe de Jesse Feltin. Ouais, mais bon, ils sont 3 boules à 3 pour le moment. La main est encore incertain pour celui qui va marquer. Ah, casquette. Alors, est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit largement. Mais donc on va pointer quand même, mais ils ont quand même 3 points derrière. Ouais. 3 points à la frappe, mais bon. On assure. Court. Ah. La boule est pas. La marque est à l'avantage donc de Jérémy maintenant. Ouais, et je sais pas si tu as entendu Lolo qui a dit le terrain n'est pas facile. Ah non, il n'est pas facile, non. Voilà. C'est perdu deux fois quand même. Hein. Mais il joue court, je pense, au niveau de la main, mais bon. Ah, il a gagné quand même. Ah, d'accord. J'ai cru qu'il avait perdu. Ah, bien joué. Ouais, bel envoi de boule, hein, de la part de Jérémy là. Précis.
Allez, Jesse Feltin au tir. Ouais, bien tiré, Caro. Il y en a deux donc. Oh, je sais pas sûr qu'il ait coupé même. Alors, le point est pour l'équipe de Jesse Feltin, ça c'est sûr. Peut-être deux. Peut-être deux, oui. Alors, on va voir la marque donc. S'ils en ont fait un ou deux. Ouais, je pense qu'il n'a pas coupé, hein, parce que Jérémy, non. Il fait une tête. Ouais, c'est ça, deux points donc. C'est ça, oui. 3-1 donc pour l'équipe Jesse Feltin et Lolo. Allez, Laurent donc à la pointe. Ah, bien pointée, elle est là cette boule, hein. Elle est super, ouais, bien jouée. Pas trop mal sur un terrain comme ça. Oh, il est hors jeu. Mais elle revient. Non. Pas gagné. Sur les quarts. Ah, celle-là est beaucoup mieux. Bien. Ouais, c'est bien joué de la part de Stéphane Hénon. Et on décide de partir à l'attaque. Oh, c'est le jeu, je pense. Hein. Le point est... Tous les points sont perdables dans ce terrain. Ouais, c'est bien tiré. En plus, il tire bien. Il fait une grosse moyenne au tir pour le moment. Ouais, c'est vrai que là, Jesse, il est en pleine forme. Oh, bien joué encore. Belle boule, bien. Ah, il y a du bouchon là. Ouais, je vais me cacher derrière mon écran, moi, on sait jamais. Oh, et en plus, c'est fait. Voilà, main annulée, bouchon sorti. Bien tiré tout de même, hein, de la part de Jesse. Allez, donc main à refaire. Et donc l'engagement pour l'équipe de Jesse Feltin, vu qu'ils avaient marqué la main précédente. 3-1 toujours, donc. Le score reste inchangé. Un petit peu court. Pas trop mal, mais un petit peu court. Allez, si vous nous rejoignez... Vous êtes bien en direct sur Web Pétanque. Stéphane a forcé. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook de Web Pétanque pour suivre tous les directs des Étoiles du Morvan. N'hésitez pas également à laisser un commentaire sous le direct pour qu'on puisse lire vos messages à l'antenne. Je suis accompagné de monsieur Christian Fazino. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, il pourra y répondre avec le sourire. Oh. Allez. Putain, ouais, hein. Le soleil. Oui, mais... Ouais.
Vas-y. Alors, on se gratte un peu la tête du côté de Jesse Feltin et de Lolo. Wow. Je pense qu'ils vont pointer quand même, parce que là, la boule est pas facile à tirer. Et le point, faut jouer avec les boules, de toute façon, ils en ont presque deux. Ouais. Allez, Lolo à la pointe donc. Ah, voilà. Il a bien joué. Hein. Il a peut-être même gagné le point. Non, non, il ne l'a pas gagné. Donc, je pense qu'il va tirer à celle de devant. Ouais, attention quand même au bouchon. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de boules derrière. Ouais, mais il n'y a pas trop de gravité. 4 boules à 3, ils ont l'avantage. Ouais, mais Jesse préfère faire pointer. Ouais, peut rentrer la sienne devant, mais bon, c'est toujours aléatoire. Voilà, donc il a pas tapé la bonne, alors que... Ouais, mais il l'a écarté au moins, tu vois, elle est un petit peu sur le côté. Ouais, je pense qu'il va tirer quand même, là, parce que la boule est belle quand même, hein. Il n'y a pas à réfléchir, je pense, là. Ouais, pour vous, ça paraît évident, il faut aller au tir. Ah oui, bien sûr, il tire presque à deux en plus. Peut-être qu'il tire à deux. Allez, Jesse, on va voir s'il vous a entendu. Bah non, il va pointer. Ah, ouais. Ah non, il a tiré, un beau carreau même. Beau carreau, oui, bah oui. Hein. Ah, c'est poussé. Ouais, mais il se ret... Toujours deux points par terre hein, pour l'équipe Feltin, non? Ah non. Ah, j'ai pas compris là. J'ai pas compris non plus. Oui. Alors peut-être que Lolo n'avait pas coupé, mais que Jesse a quand même été tiré. Il a eu le bonheur de faire carreau, mais. Ah, je pensais qu'il tirait à deux du coup quand Jesse y avait été. Ah oui, moi je pensais aussi. On a fait une erreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va demander à un maître une nouvelle fois. Ah, il reste une boule partout. Ah non, deux boules pour Jérémy. Ah, je comprends pas là, parce que si Jesse a pointé, donc Jérémy avait le point en second. Donc ouais. Là, il y a juste à tirer la boule qui a gagné le point. À moins qu'il veut mesurer s'il a le point. S'il a le point, je pense que ça doit être plutôt ça. De là, on dirait qu'il est le point, qu'il est largement le point, mais bon. Je vais te voir, qu'est-ce qu'il mesure alors? Ah, il mesure pour le point. Ouais. Celle-là par rapport à laquelle? Non, même pas, par rapport à celle de droite. Alors, on a Corentin qui vous pose une question. Oui. Alors, Corentin, il nous dit, vous avez été 4 fois champion du monde, mais combien de fois finaliste? À la Coupe du Monde? Ouais, au championnat du monde, ouais. J'ai dû perdre une finale à Bruxelles, je pense. Malheureusement, donc j'étais arrivé en retard. Ça a été le coup de barre de cette finale, donc, mais voilà, donc il me semble que j'en ai perdu qu'une et j'en ai gagné 4. Après, j'ai fait beaucoup de demi-finales et de quarts de finale, bien sûr. C'est déjà beau. Oui, bah, quand on y va, oui. Ah, on a Gilles qui nous dit Monsieur Fasino, le roi, le king de la pétanque. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas suivi là qui avait le point.
Bah là, c'est Jérémy qui a le point, donc il a fait la reprise. Et donc, Jesse, ils sont boule à boule. Disons que Jesse a peur que le bouchon démarre, parce que la boule est devant le bouchon un petit peu. Donc, ils vont tirer quand même, je pense. Ils vont prendre le risque. Ah, bien tiré. Voilà, bien tiré. Belle frappe. Et donc, dernière boule de la main dans les mains de Jérémy Darod. Voilà, exactement. Ah, c'est bien pointé. Bravo, bien joué. Ouais. Et donc, ça fait un point pour l'équipe de Jérémy Darod. 2 à 3 ou 3 à 2 pour Jesse. Donc. Ouais, c'est très serré cette partie. Ouais. Très serré, ça joue bien des deux côtés, donc ça marque pas beaucoup de points à chaque fois. Ah, encore bien pointé. Ouais, Stéphane Hénon, il est vraiment chez lui là, il est dans son jardin. Ouais, puis c'est pas si facile, hein, faut pas croire. Hein. Il joue très bien là pour le moment. Hein. Il joue minimum de boules sur 3. C'est vraiment un beau pourcentage quand même de jeu. Ouais. Celle-ci, elle est jolie. Elle va permettre à Jesse peut-être d'aller tirer. Bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Ah, c'est tirer, totalement hein. Le jeu. Hein. Ouais, c'est frappé. Ah. Bien tiré encore. Hein. Ah, dommage. Elle est partie à gauche. Allez, on va prendre le tir pour Jérémy Darod. On va essayer de détruire des points, donc. Allez, s'il venait à faire un petit carreau, ça serait pas mal. On va pas trop lui en demander. Voilà, bah c'est fait. Pardon. Un tout petit recul, mais bon, elle compte quand même. Elle est pas mal, hein. Mal, le soleil, hein. Le soleil ouais, tape assez fort ici à Autun. Hein. Ouais. On se croirait un petit peu dans le midi. Hein. Un petit peu court. Ah, juste perdu, mais un petit peu court. Allez, bientôt une demi-heure que la partie est lancée. Le score est de 3 à 2 en faveur de Jesse Feltin. Oh là là, mal tombé.